Bonjour tout le monde, Vinny14 et bienvenue sur un tout nouveau vidéo de Airport CEO. Donc on commence avec plusieurs avions, on a encore nos contrats qui arrivent là. Toutes ces belles affaires là qui sont... Sont-ils marqués pour détruire? Et voilà, c'est marqué là, ça a été détruit. On fait passer le temps un petit peu plus vite, on a un restaurant qui est ici. On veut pas faire ça de même, ok. Il est entre les portes, donc c'est bon, on peut faire une autre porte. Ce qu'on peut même faire, c'est aller dans la structure. Prendre une porte ici, mais que je la trouve. Boarding desk. Item position. Pourquoi je peux pas le mettre là? Qu'est-ce qu'il y a là que je peux pas faire, que je peux pas? Ok, pourquoi je peux pas le mettre là? Pourquoi ici je peux? Et là je peux pas. Item. Il doit y avoir de quoi là. Donc on va faire zone. On va essayer de faire une zone sécure. Ok. On va même essayer d'aller dans nos items et de faire ça maintenant. Non. Ok. Si je mets une porte, va-tu marcher? Large door. Je comprends pas. Pourquoi là je pourrais pas mettre une... Si j'enlève la poubelle. Ah parce qu'il y a des affaires, ok. Il faut détruire là, I guess. Ok, des choses là, c'est bon. Donc on va passer le temps un peu plus vite, on va voir si nos constructeurs vont venir à un moment donné. On est encore en train de construire les taxiways pour nos runways. Nos avions qui atterrissent et qui s'en vont à leur petit parking. Ben du gaz. Est-ce qu'on a assez de pass dans le job? Non, c'était là le job task véhicule. Je pense qu'on a assez de véhicules, oui. On a assez de truck de gaz pour l'instant. On a pas l'air de leur manquer. Good, bon, moi on fait de l'argent. On a nos constructeurs qui devraient se dépêcher un petit peu. Ce que je peux faire par contre, c'est venir là et faire. Ah, c'est pas ça que je dois faire. Dismissal. En appeler 20 plus. Je fais tout le temps une erreur. Je clique shift sur appeler tout le monde en place. Good job, continue de décoller. Les avions décollent. Les avions atterrissent. Tout va bien. La raison pourquoi je demande ça, c'est que je veux faire une nouvelle porte ici, mais qu'eux ils ont fini de démolir ça. Ok, good. Item maintenant. Ouais, je fais ça, je fais dessus là. La porte est là, je vais mettre 1, 2. Dread de même, un beau petit boarding desk. Je peux-tu faire des culs? Stand connection, can change a clear connection while stand on flight, it's a flight. Ok, ouais, c'est bon. Toi, je pourrais te mettre maintenant. Non, toi ici, je vais te mettre. Je vais fermer l'aviation générale, mais que tu partes, il n'y aura plus qu'on pourra venir ici. Parce que je vais vouloir mettre ça en commercial. Commercial. Ok, et je veux réparer, et je veux connecter un bagage claim. Et le pushback est correct. Sécurité est correcte. Maintenant, l'autre affaire qu'on veut faire, c'est pogner ça. Non, c'est pas ça, c'est connecté à là et à là. Ok, ok, dans ce cas-là, c'est correct, on a tout fait. On a nos employés, c'est bon. Maintenant, lui va partir, il part à 17h... 16, ok. T'avais-tu demandé du fuel? T'as demandé du fuel. T'as toujours pas reçu ton fuel par contre. À moins que t'aies pas besoin de plus de fuel. Là. 16%, ça me dit que c'est pas bien, ben, d'après moi. Weather. Clear. Je sais pas, ça me dit quoi, là, mais ok. Passenger can't claim their baggage. Pourquoi?
T'es ça, tes maudits bagages? Détail. Détail, c'est pas important. Bon, ce qu'on peut faire maintenant, toi, t'es tourné en commercial. On peut aller dans notre flight planner. On a deux gates et on a plus de contrats. Donc, ce que je peux faire, c'est dans mes contrats. Airline. Signé un de plusieurs jours. Oh, accepted. Offered. Deux. Je suis sur le bon, ça change tout le temps. Pause. 3 de plusieurs jours, c'est bon. Donc on va commencer par ça avec une coupe de vol comme ça et on va aller voir notre horaire. Bon. Toi, j'ai besoin que. Ah, c'est aujourd'hui, ça je peux pas. Demain. Tu commences là. Tu commences là. Puis tu vas venir ici. Ça va me prendre. On va me prendre deux autres de plusieurs jours. Puis une coupe de. Une coupe de. Voyons, c'est pas là que mes contrats. Contrats. Airline. Signe-moi ça. Un. Deux. Un. Ça devrait être correct pour tout de suite. Donc, Escape. Flight Planner. Ceux de plusieurs jours, on veut les avoir. Ici. Good, des autres ACTA pour moi. Ceux-là, c'est-à-dire, on va avoir là. 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 Puis jeudi. Là. Good! Je sais pas vraiment tout ce qu'on peut faire avec ces. Enfin, qu'est-ce que ça fait les météos, mais on va réparer le runway, on va commencer à faire la tour des gates. On va réparer toutes nos petites portes. Réparer. Toi t'es juste pas d'avion, c'est ça, t'es juste pas d'avion. Réparer. Et c'est tout. Donc, plusieurs choses de même. On a cet avion qui va partir dans pas long, j'imagine. Parce qu'elle est ici seulement jusqu'à 20h40. Ok. Passagers qui vont sûrement embarquer dans pas long. Je crois qu'avec ces bancs-là qu'il y a là, on va pouvoir faire les deux portes. Je pense qu'on a besoin de plus de passagers que ça. Tchitching, tchitching, tching. C'est ça que j'entends à chaque fois. Tchitching, tchitching. Oh, beaucoup d'employés qui écrivent ça rien. Donc, si on va dans nos constructions, qui nous coûte une fortune, bye bye, vous pouvez tout partir. Pas besoin de vous. Lui, Adri devrait être employé seulement. Oui, c'est bon. Les autres sont toutes là, c'est bon. On a deux gates d'entrée de même, avec plein de monde qui attendent pour rien. Mais on est habitué de ça. Donc, on a notre deuxième porte commerciale qui est là. Est-ce que le pushback est correct? Le pushback est correct. Le pushback est correct partout. J'ai très hâte qu'il implimente le. Bon, je vais trouver ce que c'est là-dedans. C'est où tu vois ton aéroport? Ici. Coming soon, là. J'ai hâte que ça coming. J'ai hâte que ça coming soon. Tu sais, let's go. C'est long. On a deux avions qui partent. Il est quelle heure? Il est 22h du soir. Ok, deux avions qui partent. Est-ce qu'il y a des avions qui vont atterrir à ce moment-là? Je penserais pas. On fait un peu d'argent. On est à 240 000. Comment ça coûte une gate moyenne? On peut juste les faire en concrete. Il va falloir upgrader le concrete, ça veut dire avant, probablement, nos taxiways. Puis il va falloir qu'ils soient 5$, je me semble. The bigger stand where medium aircraft can park and perform turnaround require a ramp agent to perform inspection and baggage handling. Ok, c'est un détail, c'est pas tant grave que ça. Ce qu'on peut faire par contre, c'est cliquer ici. On va le réparer, tiens. Et on peut même. Si on l'upgrade, à quoi? En asphalte pour 60 000. Tiens, on va l'upgrader en asphalte. Et on va upgrader lui aussi en asphalte tant que ça. Pour 60 000. Nos deux runways qui sont en asphalte. Et je sais pas comment upgrader mes taxiways, mais pour tout de suite ça va juste être ça. Et on va même ici upgrader ça.
en concrete, même chose pour lui, vu que c'est no gate. Je pense que je viens de dépenser genre 60 000 pour rien. C'est le détail. J'ai cliqué 3 fois dessus, fait que j'ai fait 20 000. J'ai dépensé 40 000 pour rien. Détail. Mais au moins, on a ces deux gates-là ici en concrete, qui sont des vrais gates. Oh, les routes, c'est pas grave. Les FUD, ils font des FUD chucks avant de rentrer, tu sais, un petit FUD chuck site, un petit FUD chuck là. Tout le monde qui arrive, le monde y achète de la bouffe parce que le restaurant est à l'entrée. Ce qu'on fait, comment de vente on a fait ici? 44 sur 1300, ce qui est pas beaucoup. Pourquoi tout le monde est en crise là? Peut-être parce qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir, ok, donc on va faire ça. Item. Des bancs pour s'asseoir, on va en mettre juste... un là, puis tiens, on peut même en mettre un ici. Que le monde puisse s'asseoir, mais là ça va me prendre deux petits contracteurs. On va faire ça tranquillement, pas vite. Oh, des ramp agents qui arrivent. Fait que dans pas long, on devrait avoir du monde qui va atterrir avec nos des avions. Oui, du monde qui atterrisse, et voilà. Ça vient ici, et voilà, ils sont parqués, ils placent les choses. Tout le monde qui débarque, on fait de l'argent. C'est la même chose, tout le monde qui débarque, on fait de l'argent. Quelqu'un qui va arriver, probablement avec un petit bagage dans pas long, et voilà. Il arrive comme ça, il va débarquer tous les bagages de tout le monde, il va venir porter ça ici. Et voilà, tous les bagages qui s'en viennent. Les autres, c'est des bagages de la première batch de people, de la personne. Besoin de maintenance, quelqu'un qui va le réparer dans pas long. Tous les bagages de la deuxième avion qui devrait arriver dans pas long. Est-ce qu'il y a mon gars qui répare? C'est celui qui est là? Ah, il répare, il est là, là. Et voilà, ça va préparer. Les avions, et voilà, l'embarquement de celui-là est fait. L'embarquement de celui-là est fait aussi. On est clear. Clear for takeoff on runway 09. Clear for takeoff on runway 09. Et aircraft. Whatever, j'ai pas le temps de cliquer dessus. On va voir qui va décoller au prochain. Et voilà, les autres y arrivent, nos avions commerciales qui arrivent, le fuel, les bagages, le fuel qui devrait sortir, les bagages qui suivent. Donc ça fait tchitchitchitching toutes les fois. Qu'est-ce qui se passe ici? L'item is broken, ok, on l'a réparé. Ok, là, à un moment donné, le weather update, c'est correct. Oups, c'est pas ça que je veux faire, je veux faire ouvrir, je voulais fermer ça. Donc, aircraft November 6, c'est lui qui va décoller. November 7360, clear for takeoff on runway 09, November 6449er, we're gonna take off on runway 09er. We got, ça va bien trop vite, esti. Si je vais être plus tranquillement, j'aurai plus de chances de décoller. Mike Papa 463. Please proceed in all charter runway 09. You are clear to take off on runway 09. Have a nice day. Proceed to Sierra Alpha 9916. Ready for please all charter runway 09. You are clear for takeoff on runway 09. Have a nice day. See you later. Bitches. There we go. Et on est parti. On va avoir un aircraft. Ce serait fun d'avoir des aircraft emergency. Oh, on a le Charlie Lima 814 de la compagnie CLM Landing. Oh, et ici on a notre Charlie Lima 357 Landing. Oh, ça avance vraiment pas vite là. Je m'excuse, c'est vraiment trop long. Ralentissement. Oh, ici on a plusieurs avions. Old Short November 2021 Old Short Runway 09er, please. Here we go, you are clear to take off. Hold short November 4481, holding short of runway 039. November 4481, you're clear to proceed on runway 09er, ready for takeoff. November 1527, ready for takeoff. Please proceed to runway 09er and hold shorting, hold short of runway 09er. Control tower will hold short. 7889er, please proceed on to runway 09er. You are clear for takeoff. 1527 November 1527, please hold short of runway 09er. C'est quand même le fun. J'aimerais pas ça être un agent de contrôle. Pas parce que c'est pas un job que j'aimerais, juste parce que c'est bien trop stressant.
T'es responsable de tous ces avions-là. Imagine, t'as plein d'avions, là. J'ai plein d'avions qui attendent en ligne depuis tantôt. Faut toutes les faire décoller. Faut toutes qui décollent en temps. Faut pas qu'il y ait d'accident. Faut pas... Oh, j'ai rotationné la caméra. Faut qu'il y ait d'accident, là. S'il y a des accidents, là... Ouh, bouillard. T'es mieux de faire attention. Tu vas te le faire dire en esti s'il y a un avion qui passe pas, je rentrerai dans un autre. Ici, on attend 13 passagers. Ici, on en attend 7. Tching. Les autres éventuellement aussi vont être transférés en la chose. Ils vont se, les deux là, parking là, vont s'en venir ici. Tranquillement, pas vite. Oh, les avions sont assez intelligents. Je pensais pas qu'ils allaient penser de faire quelque chose de même. T'es comme là, l'avion s'en est là, fait qu'il attendait que l'avion arrive avant de y aller. C'est intelligent, c'est intelligent. Donc théoriquement, si je mets un set holding short là. Il devrait... C'est l'holding short là. Ça va être à voir. Et à tester. Donc, plusieurs avions. Notre, évidemment, notre runway qui va dégrader moins vite, mais qui va coûter une fortune de plus à réparer. Une fortune plus 1. À réparer, évidemment. On check notre maintenance planner. J'ai pas checké ça. Ça fait notre flying. Ok, on est encore moins jusqu'à vendredi. Il reste encore une journée avant que des pays de correct et puis tantôt que je gagne en plus. Fait que c'est sûr que... faire le control tower. J'aimerais ça avoir une vue genre peut-être 3D au lieu d'avoir 2D, mais c'est sûr que 2D, ça donne son style. Je vais faire un autre restaurant par contre ici, mais je veux pas faire trop de restaurants, on veut faire les 1300 ciels qu'on n'est pas capable de faire. Ici on n'a pas de contrat je pense. On pourrait signer un contrat, on pourrait signer un beau Valentino. Je me demande juste si ça vaut la peine. Good. Oh là, on a du staff qui arrive. Faut aller travailler là. C'est très bon pour nous. Et c'est la nuit. Donc, les derniers avions qui arrivent tranquillement pas vite, on arrive vendredi bientôt. Qu'est-ce qui se passe de bon ici? Un item. Oh, break. Oh, locate. Ok, c'est quoi qui a brisé? C'est réparé. Weather alert, a rainstorm is coming. Oh, encore de la pluie. Parce que quand il mouille fort. Pas mal fort dans mes oreilles. Brain fart. Au cerveau. Oh, il y a des lumières à cette heure. On pourrait-tu avoir des avions plus souvent? Plus souvent, s'il vous plaît. Il y a des lumières dans mon aéroport. J'ai mis des lumières pour une raison. Weather alert. 30 mètres par seconde. 28 mètres. 40 mètres par seconde. Les bursts. 30 mètres par seconde. Je pense que j'aurais dû juste mettre une affaire de météo. Là, elle me bosse ça dans la face aux 30 secondes. Il faudrait peut-être que j'upgrade le nombre de parking spots de même. Le nombre de parking d'autobus peut-être aussi. Je vais en faire deux de plus, tiens. Je sais pas pendant tout c'est dans quoi, je m'en rappelle vraiment avoir. C'est pas là-dedans. Bus star, car stop. Je pense que de même ça va. De même. De même. Oups. J'ai pas cliqué sur Public Row. J'ai mis deux petits constructeurs qui vont me construire ça bien tranquillement. On a des arbres là. On pourrait même se mettre une autre, une coupe d'arbres encore. Là. Les large plants. Peux-tu mettre ça dehors? Je mets ça dehors sur les choses. Donc, on met ça juste, ça pas marche. Les small plants. Mettre de même. Mettre un peu d'embellissement là. Les lumières, c'est sûr que ça va m'énerver parce qu'ils seront pas centrés, mais ce qu'on peut faire, c'est mettre une fleur de l'autre bord. Pas besoin de ça. C'est quoi si je ferais avec un office desk? Je sais pas. Je peux-tu en mettre un là? Non. Je pense que ça prend ça à mes employés peut-être.
pour que ça puisse être fonctionnel leur affaire, mais pour tout de suite, je vous paye. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, I guess. Achetez-vous des framboises ou des petites affaires à 2$ que j'en vends. Il reste une journée et 24. Il reste 2 jours. En réalité, une journée et 24 heures, c'est pas mal 2 jours. On commence à accepter nos premiers clients pour ce qui est de la première journée de vol. Tout le monde qui va passer à travers nos 4 petites gates de sécurité. Le monde va aller s'asseoir sur les beaux petits bancs. Et en disant tout ça, on est rendu à 21 minutes. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Google+, YouTube, Twitch, Twitter, ma page Facebook, @vinny14yt. Puis si vous vous abonnez à la chaîne, c'est la suscrabe. Et cliquez sur la petite cloche juste à côté de la question de savoir lorsque je poste des nouveaux vidéos. Pour ça, j'espère que vous avez aimé l'épisode de premier, de l'autre premier, le dernier épisode de Airport CEO. Et on se revoit bientôt. Vinny14, out.